Sous la loi, il y a plusieurs types de prophètes. Vous avez le prophète Élie, par exemple, qui n'a jamais écrit un livre, hein? Mais pourtant c'est un prophète. Il n'est pas ce prophète. Le prophète Élie est différent du prophète Ésaïe, par exemple. Voilà. Donc Ésaïe a vécu certains miracles, mais il a beaucoup, beaucoup plus écrit. C'était un prophète enseignant, et comme Jérémie, comme Michée, voilà. Maintenant, sous la grâce, Paul nous parle des prophètes dans les églises, dans 1 Corinthiens 14. Il dit ensuite concernant les prophètes que deux ou trois ou plus parlent et que les autres discernent, un juge discerne. Ça, c'est les prophètes dans les assemblées qui ont le don de prophétie. D'accord ? Celui qui a le don de prophétie, forcément, il est prophète. Forcément. Parce que là, le pasteur disait non, ils ont le don, ils ne sont pas prophètes. Non. Celui qui a le don qui prophétise, quand tu as le don, tu prophétises régulièrement. Donc tu es forcément prophète, mais prophète de l'église locale. Pas forcément prophète enseignant. Tu vois? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les prophètes des églises locales, on en parle dans 1 Corinthiens 15. Hein? Par exemple, Philippe avait quatre filles qui prophétisaient. Donc régulièrement. Être prophète, c'est avoir déjà le don de prophétie pour prophétiser régulièrement. Ça, c'est des prophètes dans les églises locales. Voilà. Maintenant, il y a des prophètes d'Éphésiens 4. Hein? Là, c'est des domata, hein? Le grec domata, traduit par don. Hein? Il a fait des dons aux hommes, domata. Contrairement à la prophétie dont il est question dans 1 Corinthiens 14, où on parle de charis, hein? charisme. Donc, ces prophètes-là de 1 Corinthiens 14, ils ont des charismes par rapport à la prophétie. Ils peuvent avoir la parole de connaissance, ils peuvent avoir le don de sagesse, le discernement des esprits. Voilà, ce sont ces charismes-là. Et les prophètes d'Éphésiens 4, c'est des domata. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui sont des dons. Tu vois? Et ce sont des enseignants, parce qu'ils sont établis pour le perfectionnement des saints, catartismos en grec. C'est-à-dire, réparer les dégâts causés dans les cœurs des péchés, les cœurs des chrétiens par le péché. Ce sont des enseignants. Ils enseignent beaucoup. Et l'un des prophètes d'Éphésiens 4, c'est Paul, par exemple. Et quand tu dis, quand le Seigneur se sert de toi par moment pour dire prophète, prophétesse, levez-vous, là ce sont des domata. Là ce sont des il y a deux. Vous avez peut-être des domata, donc des faisins 4, et tu as aussi des charis, ceux qui ont les dons de prophétie pour dénoncer le péché dans les assemblées, parce qu'il faut que les gens se lèvent pour parler. Voilà. Tu vois? Aussi prophéter sur le pays. Et qu'est-ce qu'il entend alors quand il dit aspirer, en fait surtout aspirer au don, mais surtout en fait à celui de prophétie. En fait, une fois j'ai entendu un pasteur qui disait c'est parce qu'en fait c'est plus pour entendre la voix de Dieu, quoi. Ça, je pense pas que ce soit vraiment pour ça que Dieu demande quand même à aspirer à ça. Non, parce que Paul dit simplement que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et personne ne le comprend parce que c'est un esprit qui dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Voilà, donc on a besoin de parler, il faut parler aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Et c'est pour cela qu'il disait d'aspirer au don de prophétiser. Donc le verbe, c'est pas prophétie, c'est pas le mot prophétie, mais prophétiser. Voilà, donc on peut avoir la prophétie et ne pas prophétiser. Et là, Paul dit, il faut désirer prophétiser. Tu vois, c'est plus fort encore que le don. Parce qu'on peut avoir le don et ne pas prophétiser. Ah ouais? Parce que ça a été mal traduit dans le second. Il parle de prophétie, désirer le don de prophétie. Non, désirer à prophétiser.
D'accord? Seigneur a parlé de la part du Seigneur. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Voilà. Soyez pas intimidés, c'est ça. Voilà. D'accord? Ok.